Le portail est encore bousillé. C'est la troisième fois. J'ai déjà payé deux fois pour le faire réparer. Ça doit être un genre d'arnaque. Tu vas voir, je vais lui dire deux mots au concierge, moi. C'est pas ça. C'est quoi, là? Putain, ok. Ah, la vie est belle, non? J'ai peut-être chopé un truc, en me connectant au biomoniteur de la corpo. Je sais pas, un neurovirus ou... Faut que j'aille voir Vic. Il saura me dire pourquoi j'ai le cerveau et le bide en vrac. Ok, je t'emmène. Je t'acquiesce après tout. Sape-toi et retrouve-moi en bas. C'est à l'intérieur. Thank you.
putain de ta mère, vas-y là! Oh non, non, non! 14, ça va! Tu ferais mieux de te contrôler! Ça va? Attendez, vous voulez dire 14 par jour? Ah, c'est différent! Je voudrais revoir ma soeur! Est-ce que je déteste de plus discuter avec mon partenaire? Si on se faisait un round 2, t'es partant? Ah ouais? Quoi de neuf dans le monde? Ah, ça roule? Qu'est-ce que tu dis de mon nouveau sac de frappe? Il vient de me mettre une raclée en mode 2.0, je te jure. Je serais curieux de savoir comment il s'en sort face à un V. Alors, qu'est-ce que... Par un implant. Toutefois, les experts de Biodyne ont créé des nanites dont l'injection dans la moelle épinière permet de réparer durablement et sans interruption les tissus neuronaux. Le coût de cette thérapie révolutionnaire a été estimé à 700 000 euros dollars. Bonjour, c'est l'heure de l'info locale. Salut V, c'est Regina Jones. Si tu cherches du boulot à Watson, appelle-moi. Comment tu m'as trouvé? Et comment tu connais mon nom? Je sais où choper mes infos. Je suis une sorte de collectionneuse. A plus V. Performance musicale par des virtuoses du Biwa, ainsi que des représentations de théâtre no traditionnel. Le sponsor du festival est la corporation Arasaka. Et, contre toute attente, Anako Arasaka a annoncé qu'elle participerait au défilé de chars en personne. Alors, tu veux parler de ce qui s'est passé hier? Tout est dans le rapport. Non, je l'ai lu. J'ai dû rater le passage où je te dis de te barrer au plus vite. C'est rien. C'est pas comme si ce cyberpsycho était un tank sur pattes chromées. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, bordel? C'est pas pour rien qu'on a la max tag, tu sais. Des civils étaient en danger. Qu'est-ce que je devais faire? Les regarder se faire massacrer? Écoute, toi... Moi, chaque putain de flic de cette ville, on vaut pas plus qu'un civil comparé à la Maxtac. Le jour où on nous donnera le même matos que ce qu'ils ont, fais-toi plaisir, sois une héroïne, cours sauver ce putain de monde. En attendant, tu ravales ton ego et tu fais ce que je te dis, c'est compris? Tu t'ennuies? Bah va au bar si t'as envie de discuter, sérieux. Tout va s'arranger. Ah, la star, enfin. Ton ami, attends. Ça m'a ouvert l'appétit d'attendre. Assieds-toi, je finis ça. Et après, on pourra aller voir Señor Vector. Tu m'avais parlé d'une surprise hier. Mes souvenirs sont bons ou bien... J'ai complètement déliré. Il doit y avoir des deux. Ta mémoire, c'est pas trop ça. Bon, figure-toi que je nous ai peut-être dégoté un boulot. Le genre Premios. Je t'écoute. Enfin, c'est peut-être pas un si gros coup, en fait. À part que c'est pour... comment il s'appelle, déjà? Ah oui, un certain Dexter de Shaw. C'est juste le meilleur fixeur de Tonight City, quoi. Le Jésus noir bedonnant de l'Afterlife. 130 kilos de pure coulitude, en partie plaqué or. Alors c'est quoi le plan? On est censé s'en tirer vivant? Notre sauveur tient à tout expliquer en personne, face à face. Pas de pression, mais... Tout repose sur toi, essaie. Ok, organise ça. On va voir ce que le grand Dex a à me dire. Dex, c'est le top du top quand on parle de fixeur. Attention, hein! J'ai rien contre le Padre ou Wakako, mais lui, il est carrément hors concours. Tu vois ce que je veux dire? Pas vraiment. C'est toujours la même histoire. T'arrives sur un nouveau territoire, le fixeur du coin vient jouer les petits chefs, et il dit que tu vas crouler sous les bouleaux et les édits. Mais t'es juste un nom de plus dans son carnet.
un gentil petit outil qui va lui permettre de se tailler une belle tranche de ce que son client met sur la table. D'accord, il boit des coups avec toi, mais c'est que du business. Grâce à Dios, estoy lleno. Je t'ai ramené ta caisse. Je l'ai filé à un pote hier pour faire réparer les dégâts de notre petit accrochage avec les Désos. Merci, Jack. Super sympa. Ah, Miguel a fait un boulot de ouf. On dirait qu'elle sort de l'usine. C'est ce qu'on va voir. Bon, on décolle ou quoi? Voyons ce que ce bijou a dans le ventre. On commence par quoi? Charculoc? Et mollo sur l'accélérateur, et c'est... Tu viens de manger. Je devais passer chez Vic de toute façon. J'ai un rencard avec Misty. Sans déconner. Ah ouais, je trouve que c'est une chouette fille. Elle me comprend, tu vois. Par ici, amène-toi, allez. Retrouve-moi quand Vic aura fini de dépoussiérer tes circuits. On discutera de ce que Dex nous prépare. Qu'est-ce que... Tu les mates? Non, une de mes tchoums travaillait ici, c'est tout. Ah ouais? Depuis quand tu traînes avec ce genre de tchoum? Ça fait un bail, c'est pas important. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est morte? Elle a changé de taf et a quitté la ville. Pour un temps. Ah, je vois. Une tchoum. Tu veux être... Ah, ah. Vecteur va te recevoir. Je t'attends là. Misty et moi, on a des trucs à se dire. T'as l'air content. Je suis toujours content. Ça rend la vie plus facile. Allons, baisse sa garde. Toi qui commences. Eh Vic, t'as l'air en forme pour un vieux. Vic, content de te voir. Moi aussi, je suis content de te voir, V. Ça fait un bail. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Mon dernier taf. Je me suis connecté.